participons en fait chaque année au salon Santé en Or, donc organisé par la Voix de l'étudiant. Et l'UDAPI en fait est promoteur de ce salon, en tout cas de ce stand. Donc chaque année, l'UD nous demande en tout cas quelle association souhaite travailler sur ce salon. Alors l'intérêt d'être partie prenante par rapport à ce salon, c'est cette interaction avec les candidats, en tout cas potentiels. C'est vraiment le contact. Alors c'est à la fois des étudiants qui ne connaissent pas du tout notre association, donc c'est l'occasion de nous faire connaître, qui ne connaissent pas du tout le mouvement aussi parental. On nous confond souvent pour un organisme de formation. Donc voilà, on rétablit un peu les choses. Le deuxième intérêt, ce sont les conférences. On peut vraiment parler de nos métiers et mettre en avant aussi des actions de nos établissements dans le cadre du social, de la santé et des ressources humaines également. Ça nous permet quand même parfois de pouvoir détecter des candidats qui sont mobiles et de pouvoir aussi faire un peu la publicité de notre APEI et de ce qu'on peut aussi offrir. Quand on a des demandes intéressantes, on peut recontacter les personnes ou leur dire clairement, voilà, vous postulez à tel endroit, à tel établissement, on sait qui recrute, donc faites les démarches aussi, en tout cas de manière personnelle. Alors l'intérêt du salon, c'est de pouvoir se retrouver aussi au niveau ressources humaines, de pouvoir partager notre expertise RH, et vraiment de mettre en commun en fait ce qui se passe au niveau du salon, c'est qu'on n'est pas une entité en fait. C'est pas l'APUI de Valenciennes qui est là, mais c'est vraiment les APUI, les ressources humaines, fédérées on va dire par l'union départementale. Et c'est aussi là l'intérêt on va dire du salon Santé en Or.